bien arrivé à Londres avec un joli temps londonien typique. Et là, je vais me rendre dans la salle de. Dans le vélodrome de Londres, le vélodrome qui a servi de salle des Jeux Olympiques de Londres 2012. Je sais pas si on se rend compte, mais à quel point la piste est raide dans les virages. Je crois que c'est incliné à 45 degrés. Alors c'est pas des braquets énormes, hein, c'est 48-16, donc c'est exactement le même braquet que j'ai sur mon fixie à Toulouse pour me déplacer en ville. Voilà, bon, la particularité de ces vélos, ouais, c'est qu'il n'y a pas de frein, le pignon est fixe, donc les pédales tournent constamment. Et pour ralentir, il faut juste ralentir la cadence des jambes. C'est cardio, c'est un truc de fou. Et les cuisses, je comprends pourquoi ils ont des cuisses de mammouth. Hein. Les cuisses, elles sont lactiques. Je comprends qu'on puisse être mordu de ce sport. C'est vraiment génial. Vraiment génial. Surtout quand on aime les fixies, là, c'est régalade. Donc il faut entraîner un peu le cardio, mais vraiment génial. Et au final, pas vraiment d'appréhension. Avec tous les éducatifs qu'on fait au début, pas vraiment d'appréhension de la pente, c'est vraiment naturel. Il nous dit de regarder loin et puis ça tourne tout seul, quoi. Il n'y a aucun risque. Ce sport est énorme, vraiment. On n'a pas trop le temps de discuter avec les gens autour, mais c'est génial. Hein. C'est faut envoyer du bois, quoi. Faut envoyer, faut pas trop réfléchir. Mais ça dépouille vraiment. Waouh.